Le rocher de Canumera, comme une grosse tortue plantée dans l'une des plus belles baies du monde, la baie de Couteau, en Nouvelle-Calédonie. C'est sur ce rocher tabou qu'on a découvert le corps de Mika Kusama, une touriste japonaise de 29 ans qui était partie seule à la découverte de l'île des Pins. Le crime est sordide. Mika a été retrouvée fracassée, brûlée dans un cercle de pierre. Crime rituel ou meurtre sexuel? La question ne s'est pas posée longtemps. Les coupables étaient tout désignés. Les frères connus, les gardiens du rocher. Deux canaques au coup de poing facile. Restait à le démontrer, mais le rocher de Canumera ne lâche pas ses secrets comme ça. Mika arrive à l'île des Pins, qui est considérée comme le joyau du Pacifique pour les Japonais. Ils appellent ça l'île la plus proche du paradis. Elle arrive pleine d'étoiles dans la tête, avec l'idée qu'elle va découvrir quelque chose de splendide. Mika, c'est une grande voyageuse, elle adore voyager, et elle voyage seule. C'est-à-dire que c'est une espèce d'aventurière à la mode japonaise. Elle va choisir un petit gîte et elle va partir comme ça, à la découverte de cette île, avec un esprit très très ouvert. Elle demande la direction pour voir la baie de Canumera. Et c'est la dernière fois qu'on la verra vivante, c'est à 15h et quelques, quand elle sort de l'hôtel, habillée avec sa petite robe jaune, et qu'elle part se promener. Voilà, et on la reverra plus vivante. Fin de soirée, un coup de téléphone à la brigade. Madame Coité, qui est la gérante du gîte le Cuberca, nous téléphone pour nous informer qu'une l'une de ses clientes, une japonaise, ne s'est pas présentée au dîner. Mika Kusama est arrivée le matin même au gîte, le 2 mai 2002. Avant de partir en balade, elle a réservé un dîner traditionnel sur l'île des Pins avec de la langouste. Effectivement, le repas est servi et personne n'est là pour le prendre. Et ça, c'est pas normal. Les gendarmes rassurent la gérante du gîte. Mika a peut-être décidé de dîner ailleurs, au dernier moment. Mais le lendemain matin, la gérante rappelle la gendarmerie. Mika n'est pas rentrée de la nuit. Et le piroguier qui devait l'emmener se promener l'attend toujours. Balade en pirogue, elle n'en aura pas non plus. Donc on commence à s'inquiéter. On regarde les listings des voyageurs à l'aérodrome, on s'aperçoit qu'elle n'est pas repartie. Donc on se dit, il y a dû y avoir un accident. Quelque chose s'est passé. Les gendarmes fouillent la chambre de Mika. Ils trouvent un journal intime, rédigé en japonais, un paquet de cigarettes, une canette de bière. Je fais des prises de vue photographiques, je fais un inventaire et j'appréhende ces objets que je ramène à la brigade pour libérer ainsi cette chambre. En interrogeant le personnel du gîte, les gendarmes en apprennent plus sur Mika. Elle a 29 ans, elle parle un peu français, elle a déjà bourlingué 8 mois en France, où elle a beaucoup aimé Paris. Mika est une japonaise atypique. Pas le genre de touriste à voyager en groupe guidé par un tour opérateur. Non, une baroudeuse. Là, nous avons affaire à une touriste japonaise qui voyage seule, en sac à dos, qui visiblement est sur le territoire depuis déjà quelques temps, qui visiblement s'exprime en français, et une touriste un peu à l'européenne qui boit de la bière et qui fume. Le parquet de Nouméa ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Si Mika est blessée, le temps est compté. La brigade locale entame des recherches, pas simple. L'île des Pins, c'est une île qui fait grosso modo 28 km de long sur 25 de large. Ce sont 8 tribus coutumières, une capitale, entre guillemets, Vao.
Et ce sont surtout de grandes brousses, beaucoup de baies, beaucoup d'îlots. Donc un territoire très étendu et très sauvage. L'île des Pins, l'une des îles les plus réputées de la Nouvelle-Calédonie. 2000 habitants, 155 km² de brousse. Qu'il faut maintenant passer au peigne fin pour retrouver la jeune touriste japonaise. Et la brigade de Kuto, c'est 4 gendarmes. Après une journée de recherche, ils se rendent compte qu'ils n'y arriveront pas tout seuls. Nous sollicitons de la part de notre hiérarchie l'envoi de renforts matériels, dont un hélicoptère qui arrive dès le dimanche. Et nous sollicitons de M. le maire, et qui est également le grand chef coutumier de l'île des Pins, M. Vendégou Hilario, qu'il rassemble la population, et notamment les gens de la tribu de Comania, où est implanté le gîte, pour effectuer les recherches. Au deuxième jour, les gendarmes organisent une battue minutieuse avec l'aide des habitants de l'île. Ils ratissent tous les coins touristiques de l'île, notamment le parcours que Mika aurait effectué en sortant du gîte, le long de la baie de Kuto. C'est là qu'il recueille un témoignage important. Arrivé au bout de cette plage, elle a été vue dans un premier temps par un premier témoin qui nous dit qu'effectivement il a croisé une touriste japonaise. Il nous l'a décrite comme étant jolie et qui nous a donné ce point de détail, c'est qu'elle s'exprimait en français. Donc on sait que en fin d'après-midi, Mika Kusama est à Kuto. Après ce témoin, plus personne ne semble avoir vu Mika vivante. Deux jours, trois jours ont passé, les recherches s'enlisent. Je décide, avec mes camarades de la brigade, de monter sur le rocher de Calumera. Rocher que, en deux ans de présence sur l'île des Pins, je n'avais jamais foulé. Et pour cause, le rocher de Calumera est un rocher tabou. Tout proche de l'endroit où Mika a disparu. C'est le domaine d'un puissant clan de l'île, le clan Connu. Un rocher sur lequel même un adjudant de gendarmerie ne monte pas comme ça. Je précise que je demande l'autorisation de monter sur ce rocher à Madame Connu. Ce rocher est difficilement praticable. Quand je dis rocher, il s'agit surtout d'une roche corallienne, avec une surface très acérée, difficile d'accès, avec une végétation dense et grasse. Le rocher est jonché de trous coralliens, un terrain très accidenté où l'on peut tomber, se blesser. Mais l'adjudant ne trouve rien, l'exploration est trop difficile, il ne s'attarde pas. C'est glissant ce jour-là parce que la veille il y a eu des précipitations assez importantes. Donc, pas d'accès, pas de chemin, voilà, un caillou et on ne sait pas sur quoi on marche. Au quatrième jour des recherches, vers midi, c'est un habitant de l'île des Pins, Charles Coité, qui fait une découverte sur le rocher de Calumera. Charles Coité arrive dans les locaux et il est accompagné parce que toute la tribu est là. Oui, ils sont effrayés. Effrayés parce qu'ils ont vu. Ils pensent avoir trouvé un corps, n'en seront pas persuadés. Ils nous conduisent au rocher, et au rocher, je me souviens avoir suivi Charles. Et Charles ne se souvenait pas d'où il avait vu ce corps. Et c'est à un moment où il pense avoir marché dessus qu'il dit c'est là. Le corps de Mika gît au pied d'un arbre. Mais ce n'est pas un accident. Elle est recouverte de branches et de pierres. Dénudée. Son cadavre est en partie calciné. À côté, des taches de sang, des cheveux. La montre de Mika est arrêtée sur 6h21. La première vision que j'aurai de ce corps, c'est un corps calciné, un visage déformé. C'est une vision d'horreur. C'est indescriptible. Elle est brûlée sur les trois quarts du corps. Elle est défigurée. Ça n'a plus rien d'humain. C'était plus la même jeune fille, c'était plus Mika. Et on s'est attaché pendant toute la procédure à cacher ses photos à ses parents pour pas qu'ils gardent cette image de Mika.
Capitaine Alain Carmona, vous êtes le directeur de cette enquête. Comment se fait-il que les gendarmes n'aient pas découvert le corps de Mika Kusama quand ils sont montés sur le rocher et qu'il faille attendre le lendemain pour que quelqu'un vienne dire qu'il l'avait découvert? Ce rocher a une superficie de 5576 m². Un demi-hectare, en gros, une circonférence de 300 mètres, une végétation très importante où nous avons des arbres qui font de 1,50 m à 7 m. C'est, on peut dire, une petite jungle au milieu de ce rocher très, très rocailleux, très dangereux. Et les gendarmes se sont contentés de faire un repérage et un ratissage sur une petite portion de ce rocher. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas insisté plus loin parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, d'autant plus qu'il pleuvait ce jour-là et qu'il était risqué de pouvoir s'aventurer sur ce rocher. Et ce corps est donc disposé d'une façon tout à fait particulière. Alors, ce corps, il était caché d'abord et il y avait des pierres autour de ce corps, tout, comme une sorte de protection qui avait été mise autour de la tête et ces pierres descendaient le long du corps jusqu'à hauteur du bassin. Et alors, cette disposition a-t-elle une valeur symbolique? Alors, cette disposition peut penser, notamment au regard des premiers témoins et des Mélanésiens qui étaient là, qui eux-mêmes ont pensé qu'il s'agissait d'un feu typiquement mélanésien, typiquement kanak, et que ce feu n'avait pu être allumé que par des kanaks. Ce feu, ça s'appelle un bougna, je crois, hein. Et à quoi ça sert exactement? Ce feu, c'est un feu à l'étouffée. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire cuire soit du poisson, soit de la viande, on prédispose des pierres tout autour du foyer principal. Et on le couvre après de branchages, tout simplement pour éviter que ça s'enflamme. Et que dans ce cas de figure-là, pour le corps de Mika Kusama, on a voulu à tout prix que le feu se consume petit à petit et que le corps puisse être brûlé et désintégré au fur et à mesure de la cuisson. Voilà pourquoi tout a été préparé pour tout simplement cacher le corps d'une part, mais également lorsque le feu a été mis, il ne fallait pas que ce feu soit visible depuis les plages qui n'étaient pas très loin. Voilà. Le lendemain matin, vous retrouvez à 50 mètres de là, dans un trou, des affaires appartenant à Mika Kusama. Lesquelles? Un guide touristique, ses claquettes, une serviette de bain, sa paire de lunettes et d'autres petits objets, briquets, paquets de cigarettes qui se trouvaient là. Et son appareil photo complètement désintégré. Il était écrasé, on a bien vu qu'on ne pouvait rien sortir. La pellicule avait été arrachée, découpée en morceaux. Nous n'avons rien pu en tirer. Donc l'intérêt pour celui qui a tué Mika Kusama, c'était dans un premier temps de faire disparaître le corps par le feu, d'une part, et d'autre part de cacher ses vêtements et ses objets dans un trou où on pouvait penser que jamais on y viendrait les découvrir. Dominique, le corps de Mika est très abîmé, l'autopsie est difficile. Mais qu'est-ce qu'elle permet quand même de montrer? Alors, corps abîmé par la putréfaction, corps abîmé par le feu. Hein. Elle a toute la partie basse du corps qui est brûlée, la partie gauche aussi brûlée au troisième degré. Elle a le visage, la partie droite du visage, complètement écrasée. Le crâne est écrasé, le maxillaire est broyé. C'est un objet lourd qui a fait ça. Et on pense tout de suite à une pierre corallienne. Pourquoi? Parce que elle a, en plus de cet écrasement, des marques, des plaies profondes. Et ces pierres coralliennes, elles ont des arêtes saillantes, des aspérités. Et dans ces conditions, est-ce qu'on peut déterminer les causes de la mort? Alors, les causes de la mort possibles, c'est l'écrasement de la tête, c'est une asphyxie, l'écrasement de la tête qui provoque une obstruction des voies respiratoires, ou alors la perforation des poumons par les côtes, parce qu'elle a plusieurs côtes cassées qui lui ont percé les poumons. Et sait-on si Mika a été violée? On ne peut pas le savoir parce que ses parties génitales ont été brûlées. Le médecin légiste va quand même procéder à des prélèvements qui vont peut-être permettre de trouver un ADN. Est-ce que le légiste arrive à déterminer à peu près le jour de la mort? Non, le légiste n'arrive pas à déterminer précisément le jour de la mort. Il aurait pu, en utilisant l'entomologie et la science de la datation de la mort à partir des insectes qui viennent coloniser les cadavres, sauf que, à décharge pour le légiste, on est en Nouvelle-Calédonie, il ne dispose pas des mêmes moyens techniques immédiatement sur place qu'en métropole, et à défaut, le médecin légiste va dire, tenant compte du jour de disparition, de la date de découverte du corps, le corps a séjourné pendant 3 jours en milieu chaud et humide à l'extérieur. «
choc, émotion et inquiétude pour l'avenir du tourisme japonais en Nouvelle-Calédonie après le meurtre d'une ressortissante nippone en vacances sur l'île des Pins. Le rocher de Kanumera est pour les Japonais l'un des symboles paradisiaques de l'île des Pins. Mais jeudi dernier, il devint un enfer pour Mika Kazuma, jeune et jolie japonaise de 29 ans. Une touriste assassinée, de ma propre mémoire, c'était la première fois. C'est une catastrophe pour l'île. C'est aussi une catastrophe pour le pays parce que c'est une touriste japonaise et le Japon, c'est le deuxième marché touristique de la Calédonie, après la métropole. Et donc on est presque dans, j'ose pas dire dans l'incident diplomatique, mais tout de même dans quelque chose qui met en jeu la réputation de la Calédonie. L'enquête passionne la presse. Et les détails du crime laissent libre cours aux fantasmes. Une Japonaise assassinée dans des conditions atroces, mutilée. On se pose la question d'un meurtre rituel. Parce que son corps a été trouvé sur un rocher qui était tabou. Un rocher tabou. Évidemment, c'est de ce côté-là que les gendarmes démarrent leurs investigations. Pour bien comprendre la scène de crime, imaginez que le corps ait été découvert dans la salle à manger d'une famille X. Il est forcé et évident que nous soupçonnons la famille X. Ce rocher était la salle à manger, était le salon de la famille Connu. Les Connus habitent juste en face du rocher de Kanumera. Aucun d'eux n'a participé aux recherches de Mika Kusama. Les soupçons se portent, mais les soupçons de toute l'île se portent sur les deux frères Connus parce que ce sont les gardiens du rocher et ce sont les seules personnes de toute l'île des Pins à amener des touristes sur le rocher de Kanumera. Ce sont les seuls, personne d'autre. Les deux frères Connus, les gardiens du rocher. Ambroise, l'aîné, dit Didym, et Antoine. Deux hommes incontournables sur l'île des Pins. C'est une famille très ancienne dans l'île des Pins. Cette famille était à la tête de la chefferie de la tribu de Comania à la fin du 18e siècle, début du 19e, lors de la déportation. À cette époque, toute la partie ouest de l'île a été déportée, toute la population, pour y installer ce qu'on a appelé le bagne. À la fin du bagne, l'État français a redistribué les terres de l'île aux Kanaks. Mais les Connus s'estiment spoliés. Ils n'ont pas retrouvé tout leur territoire d'origine. Et ils ont perdu la chefferie de la tribu. En contestation de cette injustice aux yeux du clan Connu, la famille Connu s'est appropriée symboliquement ce rocher et a décrété que ce rocher était devenu une zone taboue. Les Connus cristallisent deux siècles de tensions et de querelles sur l'île. Mais chez les Kanaks, on n'a pas l'habitude de se dénoncer, et encore moins aux gendarmes de la métropole. Mais là, c'est trop grave. Effectivement, le tourisme à l'île des Pins, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, c'est la rumeur qui monte, les gens sont tendus. Et très vite, on veut en découdre, très vite, on veut faire justice. Le corps de Mika, découvert dans la salle à manger des Connus. Forcément, les langues se délient. Didym est en marge de la société Kanak à l'île des Pins. Il est en conflit avec à peu près tout le monde. Tout le monde le craint. C'est quelqu'un qui refuse toute autorité, que ce soit l'autorité républicaine, que ce soit celle des coutumiers. Dans les années 90, Didym était le meneur de la bande du rocher. Des jeunes cuniers un peu rebelles qui se retrouvaient sur le rocher de Kanumera et occupaient beaucoup les gendarmes. On s'est donné à la boisson, à la drogue. On les craignait parce que c'est comme des gens qui sont très violents. Ils n'hésitent pas à frapper, ils n'hésitent pas à frapper donc à coups de poing ou avec des objets tranchants. Didym a cogné, menacé avec son sabre. Mais il a aussi essuyé des coups. Un tir de fusil de chasse dans la jambe, un coup de couteau dans le ventre. Et ça s'est toujours réglé en tribu, loin de la gendarmerie. C'est aussi à cette époque
que certains reconnaissent à Didyme le don de soigner. Il est guérisseur. Mais très vite, avec lui, ça dérape. Le guérisseur, il est passé à ressusciteur. On prête à Didyme des sacrifices d'agneaux, de moutons sur ce rocher. Il aurait tenté de ramener à la vie. Il a même tenté de faire ça avec un de ses congénères, qui, heureusement pour lui, a pris la fuite ce jour-là et a quitté la bande du rocher. Fidèle lieutenant de Didyme dans la bande du rocher, Antoine, son petit frère. Antoine est taciturne, ne parle pas. Antoine est souvent sous l'effet de produits tels que le datura. Une plante qui ressemble étrangement à du muguet, mais en taille XXL, qui se prend en infusion et qui a des effets irréversibles sur le cerveau. Antoine est vide. Quand vous le croisez, il est vide. Antoine n'est qu'une ombre, qui fait peur. Capitaine Carmona, on parle sur l'île des Pins d'un rocher tabou. Qu'est-ce que ça veut dire tabou? Qu'il est sacré? Les frères connus et la famille connue ont voulu que ce rocher soit sacré, soit tabou. Ils ont toujours considéré que ce rocher leur appartenait, alors que ce rocher ne leur a jamais appartenu, puisque ce rocher était aux affaires maritimes, puis il a été déclassé aux affaires territoriales, et en fin de compte, il est devenu patrimoine de l'île des Pins. Mais eux n'ont jamais rien voulu savoir. Ils ont toujours considéré qu'il était leur propriété, qu'il était leur bien, et que pour eux, c'était quelque chose d'ancestral, et qu'ils ne voulaient pas que ce rocher devienne la propriété des autres personnes de l'île des Pins. Le corps de Mika est donc retrouvé sur le rocher déconnu, et tout le monde montre du doigt les deux frères, Ambroise, Didyme et Antoine. Ils sont connus des services de gendarmerie? Tout à fait, les frères connus sont défavorablement connus de la gendarmerie de l'île des Pins depuis de nombreuses années d'ailleurs, puisque les touristes qui venaient, aussi bien des touristes locaux, des Mélanésiens de l'île des Pins, des touristes de la Grande Terre, n'avaient pas accès au rocher. Et lorsque parfois ils s'aventuraient à monter sur ce rocher, les frères connus intervenaient rapidement, parfois verbalement, mais parfois avec violence. Et des coups étaient donnés, et notamment sur les années 93-94, des touristes japonaises avaient été frappés par les frères connus pour les avoir interpellés, soit en montant sur le rocher ou soit en descendant du rocher. Donc ils ont eu plusieurs condamnations. Ça, ils ont déjà été condamnés. Ils ont été condamnés à plusieurs reprises. Didyme a été condamné pour des faits de violence, coups et blessures graves sur des touristes, et son frère Antoine, pareil, a été condamné pour des coups et blessures sur des touristes, et également pour un viol qu'il avait commis quelques années auparavant. Pour vous, donc les deux frères connus ont le profil de meurtrier potentiel. Unanimement, tous les gens de l'île des Pins, lorsque nous les avons interrogés, nous faisaient part qu'on ne peut pas monter sur ce rocher sans que les connus le sachent, sans qu'ils le voient. Par conséquent, si on trouve un cadavre sur le rocher, c'est comme si c'était chez eux. Ça me paraît quand même important qu'il était normal que nous allions leur poser quelques questions. Et c'est pour cette raison que le mardi, aux environs de 13h, nous avons été interpellés, les frères connus, à la tribu de Comagnan. 7 mai 2002, le lendemain de la découverte du cadavre de Mika, c'est-à-dire 5 jours après sa disparition, les gendarmes encerclent la maison des connus avec le renfort des gendarmes mobiles, le GPM. Il est midi. L'intervention se fait en tenue. Le lieutenant Carmona et moi-même nous présentons la tribu où nous accueille Didyme. Didyme spontanément lève les bras et se rend. Et Antoine, à la vue des militaires, tente de s'enfuir. Il va permis à loi, le GPM est là, il l'interpelle, le maîtrise, et ils sont conduits dans les locaux de la brigade de l'île des Pins en garde à vue. Quelques heures avant le drame, Mika Kazuma a été aperçu en compagnie de deux hommes bien connus des services psychiatriques de Nouville et dont l'un a déjà fait de la prison. Cet après-midi, ils ont été interpellés par la gendarmerie pour être entendus. On nous dit qu'on est sur des suspects, mais des suspects solides, qui ont toutes les caractéristiques de coupables potentiels et toutes les raisons d'avoir pu faire ça. En Nouvelle-Calédonie, c'est le soulagement. Les auteurs de ce crime atroce sont sous les verrous. Sur l'île des Pins, le clan connu assiste impuissant à l'arrestation de deux des siens
et au déballage médiatique. C'est l'image qui tue la famille quand ils voient Antoine enchaîné avec une chaise, les mains dans le dos comme ça. C'est... Et ce soir-là, tout le clan est à la maison. On est tous dans le salon, on regarde la télé, puis... Et les images qui passent, et puis... Je prends conscience que c'est moi qui dois guider la famille, c'est moi qui dois prendre en charge la famille. Et ce soir-là, je parle aux enfants, ceux qui sont là. Je leur dis que cette affaire-là va être lourde à porter, mais c'est moi qui vais porter cette affaire-là. Vous, votre part aujourd'hui, c'est réussir à l'école pour montrer que vos papas ne sont pas ce qu'on dit d'eux aujourd'hui. Que vous êtes fiers d'être les enfants de vos pères. Et puis montrer que c'est pas de la mauvaise graine, ils sont semés. Capitaine Carmona, parallèlement à la garde à vue, vous entendez les premiers témoins. Que vous disent-ils, très précisément ? Alors, les premiers témoins, notamment, nous avons entendu Frédéric Cateux. Et Frédéric Cateux avait fait part aux gendarmes de l'île des Pins que le jeudi 2 mai, au matin, aux environs de 10h15, il a rencontré avec Antoine, la touriste japonaise qui venait juste d'arriver. Elle leur a dit bonjour en français, ce qui leur a surpris, puisqu'habituellement, ils avaient l'habitude que les Japonais leur répondent soit en anglais ou en japonais. Il y a un autre témoin, c'est son ex-compagne, qui, le 30 avril, donc la veille de l'anniversaire d'Antoine, Antoine était assez excité, très, très impulsif, et réclamait sans cesse qu'il voulait une femme, il voulait une femme. Quelqu'un aussi l'a vu avec une bague, je crois, non ? Frédéric Cateux, le vendredi, il rencontre Antoine et il remarque qu'Antoine porte une bague. Donc, il donne une description de cette bague qui est très particulière. Et donc, dans la conversation, il ne comprend pas pourquoi Antoine, alors qu'il n'est pas habitué à avoir des bijoux, pour quelle raison il avait cette bague à un doigt. Et à ce moment-là, il fait un raisonnement de penser que cette bague pouvait appartenir à Mika Kusama. Donc ces éléments-là sont quand même importants et nous les avons pris en compte dans tous les témoignages qui nous sont parvenus. Moi, j'ai pris l'audition d'Antoine, connu. Quand il s'est présenté à moi, il avait du mal. Je ne sais pas si c'est la timidité ou s'il a été psychologiquement, moralement, il a subi quelque chose. Mais bon, c'est sûr que c'était quelqu'un de timide, qui ne parle pas. À l'inverse, dans le bureau d'à côté, son grand frère Didim est très bavard. Il s'épanche sur sa famille, son rocher. Des années plus tard, il se souvient encore de ce long monologue. C'est un symbole, là. C'est un symbole de lutte. Oui, ce caillou, il avait une histoire, hein, par rapport à notre nom, par rapport à tout. Hein. Une identité, mais il faut la défendre, c'est comme une dignité, quoi. Si on n'a plus de dignité, mais on n'existe plus. Didim nous refait l'histoire de 1840, du bagne, de la déportation, de l'époque où la famille connue était une grande famille qui avait lâché Fried Comania, qui était respectée, qui avait des terres. Il nous parle de ce combat qu'il mène depuis des années pour que son droit, qu'il pense légitime, lui soit reconnu, à savoir diriger la tribu de Comania, comme la coutume l'exige. Une situation pour le moins inédite. C'est un dialogue informel où on doit écouter et les mots viennent d'eux. On ne coupe pas la parole. Voilà, ce n'est pas aussi agressif qu'on peut le connaître en métropole, où c'est l'enquêteur qui dirige et c'est la personne en face qui répond. Dans ce cas présent, ils ont des choses à dire, il faut les écouter. Et s'ils veulent bien ensuite répondre à vos questions, ils répondront à vos questions. Après avoir écouté Didim et son exposé passionné, l'adjudant insiste. Il veut établir son emploi du temps. Nous n'y arrivons pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous ne sommes pas à la ville, nous sommes sur une île, nous sommes bercés au rythme du soleil couchant, du soleil levant, des marées. Et il pense qu'il était au champ. Après, il s'est dit, peut-être que j'étais ailleurs. Pour lui, ce n'est pas important. Ce qui s'est passé avant, il ne s'en souvient plus.
Donc c'est techniquement très difficile d'établir un emploi du temps. Du côté d'Antoine, ce n'est guère mieux, même si un témoin l'a croisé en compagnie de la japonaise. Antoine ne sait pas où il est. Antoine se souviendra du 1er mai, jour de son anniversaire. Il expliquera que, voilà, comme il était fortement alcoolisé, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé après. Quand on posait la question de savoir s'il a croisé la japonaise, au vu de l'audition d'un des témoins qui a été entendu, sur ce point-là, c'était vraiment la fuite totale, quoi. C'était comme s'il était un petit peu amnésique. Sur cette question-là, bon, j'étais niet, pas du tout, j'ai croisé personne. Il me disait, mais avoue que c'est toi. Et je lui répondais, mais monsieur, je ne vais pas vous dire que je suis responsable de ça juste pour vous faire plaisir. Je n'ai jamais croisé Mika Kusama, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé. Et la bague de la japonaise, que ce témoin a vue au doigt d'Antoine? Une bague d'une japonaise, vous ne pourriez pas la mettre dans votre doigt. Regardez votre doigt. Elle est trop grande, les japonais, c'est petit leur doigt. Vous ne pourriez pas la mettre dans votre doigt. Au fond de moi, je disais, il est costaud. Il est quand costaud, il ne veut pas lâcher. Didim semble tout aussi costaud que son petit frère. Il se borne à dire qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. C'est un complot contre sa famille. Didim n'est pas quelqu'un qu'on impressionne. Je crois plutôt que c'est l'inverse. Didim est quelqu'un d'impressionnant, qui en impose, c'est quelqu'un d'intelligent. Et lorsqu'il me dit « je n'ai pas tué », j'ai tendance à le croire. Mais je sens, au plus profond de moi, que Didim sait ce qui s'est passé. Et quand je lui pose la question, et ça arrivera plusieurs fois au cours de cette enquête, « tu sais ce qui est arrivé ?» Didim aura ce geste contre tous les Kanaks de lever les sourcils. Ce qui signifie qu'il sait ce qui s'est passé. Les frères connus en garde à vue, la colère explose sur l'île des Pins. Un clan rival, les Kouatés, s'en prend au rocher, le trésor des connus. Il détruit l'escalier qui permet d'y grimper, les statues et les cabanes. La gendarmerie doit calmer les esprits en rappelant que l'enquête ne fait que commencer. De leur côté, Antoine et Didim ne disent pas un mot aux gendarmes sur le meurtre de la jeune japonaise, Mika. Le juge d'instruction, qui veut savoir à qui il a affaire, demande à un psychiatre de les expertiser. En pleine garde à vue, c'est pas courant. Le psychiatre rencontre Didim et Antoine à Nouméa, dans les locaux de la gendarmerie. Les deux frères martèlent toujours leur innocence, mais leur profil est inquiétant. C'est des personnalités qu'on classifie généralement dans le mode de psychopathie. Un potentiel d'agressivité très supérieur à la normale. Une intolérance à la frustration, c'est-à-dire que s'ils veulent quelque chose et qu'ils n'ont pas, ça peut se passer mal. Qui ont une prédisposition au délit, au passage à l'acte, c'est-à-dire que quand ça passe facilement, ils ne fantasment pas, ils passent directement aux choses. Et une grande appétence alcoolo-cannabique qui facilite effectivement les passages à l'acte. Ça correspond exactement aux constatations qui ont été faites sur le rocher et aux constatations sur place, c'est-à-dire un meurtre pas planifié, commis dans le pire endroit possible, c'est-à-dire un endroit qui est au vu de tous et avec les moyens du bord, quoi, c'est-à-dire un bloc de corail qui était sur place. Les gardes à vue des deux frères se terminent sans aveu. Nous, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Notre conviction, c'était... C'était toujours les mêmes, c'était les deux frères. Les connus sont déférés au parquet. Les deux principaux suspects sont entendus depuis 14h30 au parquet. C'est effectivement vers 14h30 que le convoi de gendarmerie transportant les deux suspects est arrivé au palais de justice. À l'heure qu'il est, preuve semble-t-il d'une certaine résistance des suspects, ils sont toujours entendus dans le bureau du juge. Dominique, les frères connus sont sous les verrous, mais l'enquête continue. Il s'agit donc maintenant... de déterminer, de trouver l'arme du crime. C'est un habitant de l'île qui va aider les gendarmes en leur apportant l'arme du crime.
Et c'est quoi cette arme du crime ? Il apporte deux pierres à la gendarmerie, deux pierres dont celle-ci, qui sont tachées de sang. Elles vont être envoyées au laboratoire et c'est bien le sang de la jeune touriste japonaise. Il apporte ces deux pierres et il donne un nom au gendarme, un certain Kouaté. Comme lui ? Comme lui. Alors, c'est la famille des Kouaté et la famille des Connus. Et il a une théorie. Les Kouaté et les Connus sont en conflit depuis quasiment toujours. En tout cas, ces familles ne s'entendent pas. Les Kouaté ont intérêt à dénoncer les Connus. Il y a eu des problèmes entre eux. Et la preuve, dit-il, il le dit aux gendarmes, et c'est écrit dans ce procès-verbal d'audition, l'un des Kouaté a tiré avec une carabine sur Didim Connu. Et c'est pour ça, il a reçu une balle dans une jambe, c'est pour ça qu'il boite. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Et il dit, ce Kouaté faisait partie de l'équipe de personnes qui a découvert le corps de la japonaise. Et les gendarmes sont allés voir là où il est censé avoir récupéré ses pierres ? Malheureusement, non. C'est impossible parce que l'accès à l'île, l'accès au rocher n'a pas été interdit. Et tout le monde est allé souiller les lieux, des curieux, des visiteurs sont allés se promener. Là où on a trouvé le corps de la japonaise, tout le monde est passé là, donc on ne trouvera plus aucune trace. Mais est-ce qu'il a quelque chose d'autre à apporter que juste un nom ? Est-ce qu'il a une preuve ? Il a quelque chose à dire de plus ? Aucune preuve, c'est juste une dénonciation. Les gendarmes vont vérifier cette piste et ça ne donnera rien. Mais ils vont en profiter pour entendre une centaine de personnes sur l'île. Le témoignage d'une employée du gîte où logeait Mika intéresse particulièrement les gendarmes. À 15h30, le jour où la jeune touriste est arrivée, une serveuse a remarqué une japonaise alors qu'elle rentrait chez elle à l'arrière du pick-up de sa patronne. Cet employé de l'hôtel voit le long de la route une jeune femme dans une robe jaune qui est visiblement japonaise, main dans la main avec un Européen. Un Européen qui aurait entre 40 et 50 ans, avec les cheveux coupés courts, etc. Et a dit, tiens, c'est notre petite japonaise. Aux autres qui sont là, qui regardent, qui ne voient pas, elle est la seule à la voir. À partir de là, il va y avoir, évidemment, et moi quand je prends le dossier, je suis complètement là-dedans, cette hypothèse de l'homme blanc. C'est peut-être un homme blanc qui a tué Mika Kusama. Mika avait bien une robe jaune. La piste semble bonne. D'autant qu'elle est confirmée par un second témoin. Une autre personne voit cette même jeune femme japonaise emprunter ce fameux sentier qui mène au gîte Nataiwatch. Il la voit avec une bière à la main. Elle a une robe jaune et elle est avec un Européen. Une bière de la même marque que celle qu'on a retrouvée dans la chambre de Mika. Enfin, un troisième témoin évoque une japonaise. Il l'a vue plus tôt dans la matinée à l'autre bout de la baie de Kuto. On nous dit qu'à l'arrivée de la navette, peu de temps après, on voit repartir un couple à pied, un homme blanc avec une jeune femme. Et il va la voir à 7h du matin. À 7h du matin, Mika n'était pas arrivé à l'île des Pins. Et pourtant, il voit et il la décrit, robe jaune, japonaise, main dans la main avec un Européen. Ce témoignage porte un coup à la piste de l'homme blanc. Nous procéderons à des vérifications et nous trouverons effectivement un couple logé au gîte Natawash, composé d'un homme blanc et d'une japonaise. Par ailleurs, sur l'île des Pins résident deux japonaises, toutes deux accompagnées dans leur couple par un homme blanc. Donc il était facile de retrouver un couple composé d'hommes blancs et d'une japonaise. Cette piste doit pourtant être complètement verrouillée. Un témoin a parlé d'un homme blanc, cheveux courts. Les gendarmes fouillent du côté d'un centre de repos de l'armée. L'IGESA, il est situé à côté du rocher des Frères Connus. Au moment du meurtre de Mika, 80 militaires y étaient en vacances après une mission de 3 mois en Afrique. Nous avons investigué sur l'ensemble du personnel. Le militaire réserve ses repas le soir à l'IGESA et pour ceux qui n'ont pas mangé, ils sont décomptés. Donc nous avons effectué des recherches sur les personnes qui s'étaient décomptées. Nous les avons localisées à l'IGESA, mais en train de manger un bounia, et tous les personnels militaires étaient encadrés. Les gendarmes interrogent la hiérarchie. Aucun des militaires en repos n'a fait parler de lui lors de son séjour. Il n'y avait aucun fait de signaler, il n'y avait pas de militaires qui auraient été vus, qui auraient commis d'actes répréhensibles. La piste des militaires se referme après celle de l'homme blanc et toutes les autres.
les mois passent. Et les gendarmes en reviennent à leur toute première hypothèse. Sincèrement, à l'exclusion des membres de la famille connue, tout le monde a désigné Antoine et Didim comme étant les auteurs de ce crime. Nous avons eu à entendre des gens qui sont voisins, comme les membres de la famille Kouaté, comme les membres de la famille Apikawa, qui sont nés sur cette île et qui ne sont pas montés sur ce rocher depuis qu'ils ont l'âge de 3 ans. Des gens qui ont actuellement 25, 30, 40 ans. Ils vous disent « je ne monte pas parce que je ne suis pas autorisé à y monter ». Alors évidemment, quand on les interroge, ces gens-là, alors qui d'autre ? Mais personne, à part Antoine et Didim. C'était que de la violence, c'est que de la violence gratuite. C'est pas la part des choses. Il y avait ce meurtre, mais il amenait toutes les rancœurs qu'il y avait. Puis, enfin, c'était un règlement de compte qui était en train de se faire. Quoi. C'est des querelles internes à l'île, et puis on profite justement de ça, parce qu'on sait qu'avec ça, ben, on va peut-être se débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes. Les frères connus n'avouent absolument rien devant les gendarmes. Est-ce que c'est embêtant pour vous ? Est-ce que c'est gênant ? Nous n'avons fait que rassembler des faisceaux de présomption de tous les éléments que nous avions, à savoir sur leur comportement le jour, le lendemain de la disparition de Mika Kusama, où ils se sont complètement désintéressés des recherches. À aucun moment, ils ne sont venus demander ni aux Mélanésiens de la tribu, ni aux gendarmes, pour quelles raisons ils étaient montés sur ce rocher et qu'est-ce qui s'était passé sur ce rocher. Alors, il me paraît quand même important que si on est propriétaire d'un bien, on doit s'intéresser à ce qui se passe chez soi. C'est la première des choses. Quel serait, alors, selon vous, le mobile et le scénario de ce meurtre ? Je pense que s'il y a un concours de circonstances. Elle est tombée sur des individus qui étaient au pic de l'agression et de la violence, dont notamment le comportement d'Antoine. Cette jeune fille qui comprend le français, parle le français, et en sachant le respect qu'ont les Japonais pour l'environnement et les biens de propriété des gens, elle ne peut pas monter seule sur ce rocher. Elle a bien vu qu'il y avait marqué « privé », « défense d'entrée ». Elle sait très bien qu'elle n'allait pas monter. Donc par conséquent, on l'a invitée à monter sur ce rocher. Elle est montée sur ce rocher. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les pulsions sont montées plus vite ? Est-ce que quelque chose n'a pas bien fonctionné ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a pris des photos, puisque sinon on n'aurait pas détruit son appareil photo comme nous l'avons trouvé détruit et la pellicule déchiquetée. Et c'est ce concours de circonstances qui a fait que ce jour-là, Mika Kusama s'est trouvée au mauvais moment et malheureusement, elle a perdu la vie. Le juge d'instruction ne tire rien de plus des frères connus. Il les interroge 5 fois et à lui, comme aux gendarmes, Didim et Antoine répètent qu'ils sont innocents. Antoine comme Didim sont des personnes expérimentées avec les interrogatoires, avec la justice. Pour avoir 15 et 8... séjours en prison, pas juste des condamnations. C'est des condamnations qui ont entraîné des séjours en prison. Il faut avoir fait 15 fois et 8 fois des gardes à vue, des rendez-vous avec le juge d'instruction, etc., etc. Donc ils sont rompus à cet exercice. Et l'exercice tourne en boucle. Jusqu'au moment où le juge d'instruction reçoit le résultat des expertises ADN, un bol d'air pour la défense des connus. On a trouvé aucune trace ADN des frères sur Mika et aucune trace de Mika non plus dans leurs affaires ou sur leur bateau. La défense présente alors une demande de remise en liberté des deux frères. Demande acceptée, mais pour Didim seulement. Il sort donc de prison après 9 mois de détention. Antoine, son jeune frère, reste derrière les barreaux. Le juge d'instruction, lui, c'était... Lui aussi, il était persuadé. Il était persuadé que j'étais toujours le coupable. Et il fallait que je justifie la mise en détention. Et il n'avait aucune preuve, ni matérielle, ni scientifique, pour prouver ma culpabilité.
C'est un dossier qui repose strictement sur rien. Il n'y a aucun élément matériel à l'encontre des frères connus. Il n'y a aucun aveu, il n'y a aucun témoin. Et on est confronté à deux hommes qui clament leur innocence et ne comprennent rien à ce fonctionnement judiciaire qui ne constate pas leur innocence. Les avocats tentent de démonter l'instruction du juge. Une instruction conduite à charge, selon eux. On retrouve un cadavre dans votre jardin, vous êtes le responsable, le criminel, et après l'enquête s'est attachée à juste cadrer, à faire cadrer un trou dans l'emploi du temps des frères connus pour dater l'heure de la mort. On ne connaît pas le jour de la mort de cette jeune femme. On ne connaît pas l'heure de la mort de cette jeune femme. L'expert légiste est incapable de le dire. Il n'y a pas de témoin. On sait qu'elle est disparue depuis 4 jours lorsqu'on la retrouve. Et on vient simplement dire, eh bien, puisque les frères connus n'ont pas d'alibi le 2 mai entre 16h15 et 17h30, c'est donc à cette heure-là qu'elle a été tuée. Antoine a bien un trou dans son emploi du temps. Un trou que le juge n'a jamais comblé. Le juge d'instruction ne leur pose des questions sur leur emploi du temps qu'après 18 mois d'instruction. La première question, que faisiez-vous le 2 mai, à telle heure, est posée 18 mois après leur interpellation, après les faits. Pour des gens qui vivent dans les champs à longueur de journée, pour lesquels rien ne ressemble plus à un autre jour que le jour précédent, qui n'ont pas de montre, où la vie est rythmée par le soleil, par les buzz des enfants ou par les avions, on va leur demander de manière précise, mais que faisiez-vous le 2 mai de 16h15 à 17h30 ? Les avocats de la défense retournent les arguments de l'accusation. On n'y comprend plus rien. Enfin, à chaque fois, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de logique. Si les frères connus étaient libres de tout geste sur le rocher de Canoumera, puisque personne n'osait y aller, pour quelle raison ils n'auraient pas masqué le cadavre ? Enfin, il y avait ce défaut de logique et là, il était encore plus mis en exergue. La défense multiplie les demandes de remise en liberté pour Antoine. Chaque fois, elle attaque l'instruction et critique les constatations scientifiques qu'elle juge incomplètes. On constate par exemple que la montre de Mika Kusama est déclarée brisée et arrêtée à 6 heures. C'est une montre à aiguille, on ne sait pas si c'est 6 heures du matin ou 18 heures. Et il n'y a pas eu de recherche pourquoi cette montre s'est arrêtée à cette heure-là, si c'est par l'effet du feu, par l'effet d'un choc. Les protocoles en matière de scène de crime n'auraient pas été respectés. Tous les prélèvements qui ont été faits, ils ont été faits postérieurement même à la découverte du crime. Les lieux n'ont pas été protégés lors de la découverte du crime, après le premier passage des techniciens d'investigation criminelle. Et quelqu'un vient dire aux techniciens, j'ai vu des pierres ensanglantées, je peux vous les montrer, c'est sûrement l'arme du crime. Et on les retrouve à un troisième ratissage. L'accusation et la partie civile justifient les faiblesses de l'enquête. En Nouvelle-Calédonie, on a des moyens qui sont limités en termes d'investigation. À l'époque, il aurait fallu, sur une affaire comme celle-là, 4 TIC, techniciens d'investigation criminelle. Il y en a un, simplement. La scène de crime, là, c'est une île sur l'eau. C'est... Voilà, vous avez beau avoir tous les protocoles du monde, une scène de crime comme ça, vous en avez une dans votre carrière et vous n'en aurez pas deux. Et là, il aurait fallu effectivement qu'on prenne un hélicoptère, qu'on désocle ce rocher, qu'on l'amène à Nouméa, et puis de Nouméa à Paris, qu'on le retourne, qu'on l'étudie, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pour le juge, Antoine et Didim sont bien les meurtriers de Mika Kusama. Le 16 février 2004, après 1 an et 9 mois d'instruction, il les renvoie devant la cour d'assises de Nouméa. Maître Jean-Yves Moyard, vous êtes l'un des avocats des frères connus. Pourquoi, selon vous, Didim Ambroise est le seul à être libéré ? La thèse du parquet, très vite, s'est heurtée.
dans l'accusation au fait que Didier Mambroise avait un commencement d'alibi. À partir de là, il devenait une sorte de complice parce qu'il fallait se raccrocher à quelque chose et il fallait l'impliquer d'une manière ou d'une autre. Et il est devenu une espèce de sauveur de son frère Antoine qui aurait fait une énorme bêtise et qui serait venu appeler son grand frère à la rescousse. C'est très vite présent dans le dossier et je crois que c'est ce qui explique qu'on le libère plus tôt dans la procédure. On garde le véritable meurtrier finalement et puis on libère plus rapidement son complice. Je pense que c'est l'idée dominante. Après 2 ans d'instruction, le juge renvoie les 2 frères connus pour meurtre. Oui. Il y a une contradiction quand même, non ? Quand on lit les termes de l'ordonnance de renvoi, quand on lit les réquisitions, quand on lit les dépositions, on a clairement l'impression qu'on épouse une thèse, au petit bonheur la chance, si vous me passez l'expression, qui n'a pas sa place dans une enceinte judiciaire, et que de ce fait, ben, on ne prend pas de risque et on renvoie les deux. Parce que si on change d'avis en cours de route, eh bien, on a tout le monde sous la main. Selon vous, pourquoi s'est-on concentré donc si vite sur les 2 frères connus ? Je pense qu'on a voulu aller très vite. Et c'est le premier ferment, encore une fois, de l'erreur judiciaire. On a des coupables idéaux qui vont très mal s'expliquer, très mal se défendre, qu'on interpelle alors que l'un s'enfuit, et c'est leur rocher. Tout est écrit déjà pour que les choses se passent mal par la suite. C'est un peu la théorie du complot évoquée par les frères connus. Vous y croyez donc ? C'est une des possibilités, en tout cas. Moi, il y a une interrogation majeure qui m'est toujours restée, qui me reste aujourd'hui. On a la mère à perte de vue. L'endroit où les frères connus auraient choisi, encore une fois, d'abandonner le corps de Mika Kusama, c'est en face de chez eux, sur leur rocher, de façon à ce que n'importe qui montant sur ce rocher, fût-il gendarme ou pas, découvre le corps avec la plus grande facilité. Il suffisait de l'abandonner en mer, à 10 mètres de là. On n'arrivait pas à croire qu'eux-mêmes auraient pu souhaiter que le corps soit là. Le procès est prévu pour septembre 2005 à Nouméa. En épluchant le dossier, la défense fait une découverte sidérante, décelée, jamais expertisée et stockée dans 2 sacs poubelles. Avant le procès, les avocats demandent au président de la cour d'assises d'ouvrir ces sacs. Dans l'un de ces sacs poubelles, on trouve les objets qui ont été récupérés par les enquêteurs sur le rocher, caché dans un trou, dans une faille du rocher, camouflé avec des branches, de la terre. Et dans le deuxième sac poubelle, tout ce qui se trouvait dans la chambre de la victime, Mlle Kusama, au gîte Kouberka. Dans le premier sac, un échantillon de terre prélevé sous le cadavre de Mika et 2 cigarettes consumées qui se trouvaient juste à côté. Est-ce qu'elle n'a pas partager une cigarette avec son agresseur ou son futur agresseur. Ensuite, on va également trouver un appareil photo jetable qui est intact et donc avec à l'époque une pellicule qui n'a pas été exploitée. Dans le second sac poubelle, 2 cigarettes de la même marque, un téléphone portable, l'agenda dans lequel Mika notait tout. Les scellés sont intacts. On va décider avec les avocats, donc des frères connus et de la famille de la victime et le parquet général, de faire un complément d'information et donc de renoncer à l'audience qui était prévue, je sais plus, pour le mois d'août ou pour le mois de septembre, en estimant qu'on ne pouvait pas juger cette affaire, qu'elle n'était pas en état. Le procès est ajourné. Le président de la cour d'assises reprend lui-même cette instruction bancale. Le fait de s'être concentré, un peu comme on met des œillères à un cheval, là, ben voilà, après, toutes les autres hypothèses, on s'y intéresse même pas. Donc, c'est pas la peine de faire l'analyse des cigarettes, chercher s'il y a de l'ADN. De toute façon, voilà, on sait tout, on a tout compris dès le départ. Ah oui, mais c'est pas aussi simple que ça dans une affaire criminelle. Les avocats de la défense profitent des failles de l'instruction pour déposer une 7e demande de remise en liberté d'Antoine.
Le premier travail, c'est d'essayer de faire remettre en liberté Antoine Quenu, qui est en détention depuis 3 ans. Et ça a été un travail qui a été extrêmement difficile, extrêmement dur. Et d'ailleurs, il a fallu mettre en œuvre une campagne de presse pour démontrer qu'il n'était pas possible de maintenir quelqu'un en détention dans ces conditions-là, avec ce type de dossier. Toutes ces investigations aboutissent à la même chose. Tous les prélèvements, analyses d'ADN qui ont été faites démontrent qu'il n'y a strictement rien qui mette en cause les deux frères Quenu. Le clan Quenu crée un comité de soutien. La Ligue des droits de l'homme de Nouméa dénonce le maintien d'Antoine en détention préventive, 27 mois. Plus de 2 ans sans jugement, c'est au-delà du délai préconisé par la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut faire savoir qu'il y a des aberrations dans cette affaire, si vous voulez. Et ça a été à la fois le comité de soutien, la Ligue des droits de l'homme, tout le monde en même temps a souhaité mettre en évidence les aberrations de ces enquêtes et le maintien en détention encore d'Antoine. Le 8 septembre 2005, après 3 ans et 4 mois sous les verrous, Antoine Quenu est libéré. Dominique, le président de la Cour d'assises a donc ouvert les scellés, il a ordonné leur analyse, ça donne quoi ? Les rapports vont revenir. Alors, l'appareil photo, d'abord. L'appareil photo retrouvé dans les scellés, on va tout simplement développer la pellicule. Et dessus... Ce qui n'avait pas été fait. Non, ça n'avait jamais été fait. On découvre des photos de touristes, des cocotiers, des plages. En fait, c'est l'itinéraire qu'emprunte n'importe quel touriste qui va venir faire un tour à l'île des Pins. Donc, on montre ces photos développées aux parents de la jeune japonaise qui vont dire c'est bizarre parce que ça ne ressemble pas au type de photos qu'elle prend d'habitude. Et effectivement, on a pu identifier les gens qui sont sur les photos ? Il y a un couple de Japonais ici qui n'a aucun rapport avec Mikaku-sama. Donc, on va se dire finalement que cet appareil photo, il a peut-être été glissé par erreur dans les scellés du dossier Kusama. Peut-être que ça n'était pas son appareil photo. En tout cas, ça n'apporte rien. Les mégots. Les mégots. Analyse du laboratoire CodeGen qui dit qu'on ne retrouve pas l'ADN d'Antoine Quenu, ni celui de Didym. L'ADN qu'on retrouve sur ces deux mégots, c'est celui de la jeune japonaise. C'est elle qui a fumé les 2 cigarettes. Il y avait son agenda aussi. L'agenda. En fait, c'est un petit journal intime. Là, on va faire traduire l'ensemble de l'agenda. Donc, il y a son emploi du temps quand elle était au Japon, dans les semaines qui ont précédé son départ. Et alors, bon, elle note le paiement des impôts, tout ce qu'elle dépense, tout est noté. Et puis, elle rencontre des garçons, comme une fille de son âge, comme une fille de 29 ans. Et elle cherche l'homme de sa vie. Alors, les policiers, la police nippone va retrouver tous ces garçons qu'elle a connus, et on va vérifier leur emploi du temps. Ils n'ont rien à voir, ils sont étrangers au meurtre. Ils n'étaient pas, en tout cas, à Nouméa à ce moment-là. Et on avait prélevé de la terre sur les lieux. Ça intéresse les gendarmes. Pourquoi ? Parce que dans cette terre, on retrouve un produit, un accélérant de feu. C'est-à-dire un produit du genre gel pour allumer les barbecues. Et ça va relancer la piste des militaires. Parce qu'on se dit que dans leur paquetage, souvent, ils ont ces accélérateurs de feu pour allumer du feu quand ils font un bivouac. Donc ça relance la piste militaire. La piste des militaires reprend donc de l'intérêt. 80 militaires se reposaient au centre Ligeza sur l'île des Pins au moment de la disparition de Mika. Et en 2002, cela avait déjà attiré l'attention du juge d'instruction. L'enquête va être menée à minima et ce qui va sortir de l'enquête, ça va être une phrase toute faite. Puisqu'ils étaient encadrés par les officiers, donc il n'y a pas eu de problème avec les militaires. Mais ça n'ira jamais au-delà. Ils n'ont pas fait parler d'eux lors de leur séjour. À ma connaissance, dans les affaires de Mourmelon, le gradé n'avait pas fait parler de lui. Et par la suite, on a appris que voilà, il était le criminel. Là, le président de la cour d'assises n'écarte plus cette hypothèse. Un de ces militaires aurait pu très bien rencontrer cette jeune femme et puis, essayer d'avoir des relations intimes avec elle et que ça tourne mal. Le président fouille le pédigré de ses hommes. Depuis 3 ans, aucun d'eux n'a eu de problème avec la justice. Aucun d'eux n'a été fiché pour une quelconque agression sexuelle. Moi, je m'en suis tenu là, si vous voulez.
Mais c'est vrai qu'on aurait pu continuer à faire des investigations pendant un an et puis faire entendre tous ces militaires. C'est une des portes que la procédure d'instruction avait laissée ouverte ou entrouverte et qui n'a pas été totalement ou de manière satisfaisante refermée. L'hypothèse des militaires est écartée. Quand un témoignage anonyme vient offrir une nouvelle piste aux gendarmes, le corbeau dénonce un homme de Nouméa, un banquier. C'est une personne qui travaille dans une banque, qui a pour habitude de se rendre sur l'île des Pins. Elle y va soit en avion, soit en bateau. Plus facilement en bateau parce que, d'après ce qu'on nous dit, il connaît le commandant de bord, il peut embarquer sans avoir à être porté sur le manifeste, ce qui lui permet de passer quasiment incognito. Et c'est une personne qui va régulièrement sur l'île des Pins faire du surf, faire du bateau. Et sur l'île des Pins, ce banquier a mauvaise réputation. On a des rumeurs sur l'île des Pins disant que c'est un garçon qui a déjà essayé d'agresser quelques femmes ou qui a un comportement envers les femmes assez bizarre, qui vient les voir assez facilement, qui n'hésite pas même à les importuner. Les gendarmes fouillent la vie du banquier avec deux obstacles d'importance, le temps qui a passé et le métier du suspect, directeur d'agence bancaire. On ne peut pas travailler sur les téléphones puisque la loi nous impose de travailler que sur un an en arrière. Pour ce qui est des comptes bancaires, comme il est directeur d'une agence, on ne peut pas se permettre de faire des réquisitions sur ces comptes bancaires pour les exploiter. Les gendarmes craignent que le banquier ne truque ses relevés de compte. Alors, il travaille en toute discrétion sur son entourage, qui est très clair. Après la mort de Mika, cet homme était étrange. Il a eu un comportement assez particulier, qu'il ne voulait plus entendre parler de japonaise. On n'a vaguement pas entendu parler d'un chat qui s'appelait Mika. Donc indiscutablement, c'est intéressant. Il a le profil, il a le comportement, donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. Le banquier est arrêté, placé en garde à vue. L'homme se défend, il n'est pour rien dans cette affaire. On lui veut du mal, en plein divorce. Sa femme cherche à récupérer la garde des enfants par tous les moyens. Les gendarmes réquisitionnent et épluchent ses relevés de cartes bleues, ses chèques, ses retraits bancaires. Aucune opération n'a été effectuée sur l'île des Pins au moment des faits. 3 années ont passé, les gendarmes n'ont aucun témoignage précis à exploiter, rien de plus qu'une rumeur et un homme qui nie. Après 4 heures de garde à vue, le banquier est libéré. Avant de clore son complément d'information, le président de la cour d'assises organise un transport sur les lieux à la demande de l'avocat de la famille Kusama. Un transport que le juge d'instruction n'avait jamais organisé. L'occasion pour la défense d'appuyer encore un peu plus sur les lacunes du dossier. L'enquête et l'instruction ont toujours soutenu que le crime avait été commis sur le rocher de Kanumera. Il est incontestable que Mika ait été tué sur ce rocher. J'ai moi-même descendu le corps de Mika, accompagné d'un camarade qui est particulièrement bâti, puisqu'il faisait pas loin de 100 kg pour 1m90. Et nous avons éprouvé toutes les difficultés du monde à descendre ce corps. Alors j'imagine que pour le monter, c'est encore plus difficile. Les escaliers qui sont construits au pied de ce rocher tiennent en équilibre. Même un individu marchant seul dessus doit se tenir, sinon il tombe. Sur place, l'avocat de la défense pointe encore les incohérences du dossier. Monter un corps du gabarit de la jeune japonaise, c'était effectivement tout à fait possible. Elle pèse, je crois, une petite 60aine de kilos, donc ça posait aucune difficulté avec un escalier en bon état. Il faut savoir dire qu'à l'époque, en 2002, l'escalier est en parfait état, c'est-à-dire qu'il est dans l'état où on voit les 3 marches et qu'il allait jusqu'en bas, ce qui démontre que, contrairement à leur argumentation, il était tout à fait possible de monter un corps sur le rocher et que ce n'était pas nécessairement la jeune japonaise qui était montée seule sur le rocher avec quelqu'un. Une autre incohérence majeure, c'est que la jeune japonaise va être trouvée à cet endroit avec la tête qui est à peu près positionnée comme cela. Or, la veille de la découverte du corps, on va avoir 2 gendarmes qui vont faire le tour du rocher, qui vont donc passer par où je passe et qui ne vont rien remarquer, ne rien voir. Il faut savoir que c'est, d'après le légiste, un corps qui a déjà au moins 2 jours ou 3 jours de décomposition. Et vous voyez à cette distance-là, si le corps est là, il est impossible que les gendarmes ne l'aient pas vu, ne l'aient pas senti, même si ce corps était légèrement recouvert par des branchages. En plus, il s'agit d'un corps qui est partiellement brûlé.
Je me pose forcément la question. Je me dis, attendez, je suis monté sur ce rocher, pourquoi moi je ne l'ai pas trouvé? Maintenant, je peux l'expliquer assez facilement. Dimanche, il y avait eu de fortes précipitations, donc tout était humide, il y avait de l'eau partout, il avait plu le matin, donc pas de mouches, pas d'odeur. Pour la défense, si les gendarmes n'ont pas trouvé le corps de Mika lors de leur premier passage, c'est parce qu'il n'y était pas, tout simplement. Le légiste vient dire qu'elle a reçu des projections de pierres, donc très lourdes, de pierres coralliennes, au niveau du thorax, et que vous voyez la façon dont le terrain est fait, c'est-à-dire que si vous avez un corps qui est allongé sur le dos et que vous projetez des pierres coralliennes d'une vingtaine de kilos sur ce corps, vous allez avoir nécessairement le dos déchiré. Vous allez trouver des blessures, des plaies au niveau du dos. Or là, il apparaît des photographies qu'il n'y a strictement aucune trace dans le dos de cette jeune femme, ce qui veut donc dire qu'il n'est pas possible qu'elle ait reçu ces pierres à cet endroit-là. Et pour l'accusation, le corps de Mika Kusama aurait été mis là et brûlé pour faire disparaître le corps. C'est une incohérence absolue, parce que pour faire brûler un corps, il faut au moins 2 stères de bois. Or, sur cet îlot, il n'y a pas de bois, donc cet endroit n'est pas l'endroit du crime. Ça change tout, parce que toute la théorie qui était que les frères connus ou l'un des frères connus avait accompagné la jeune japonaise pour lui faire visiter le rocher, que ça serait mal passé, qu'il l'aurait tué à ce moment-là, bien évidemment, à partir du moment où on démontre que le corps n'a pas été tué sur place, il a pu être tué n'importe où, par n'importe qui, et apporté sur le rocher pour s'en débarrasser et accessoirement mettre en cause les frères connus. L'avocat de la famille de Mika ironise sur la théorie de la défense. Le complot. Des personnes non identifiées auraient tué une touriste japonaise pour ensuite aller porter ce corps, le corps de cette touriste japonaise sur le rocher de Kanumera de façon à pouvoir faire accuser les frères connus de ce meurtre. Enfin, si on voulait se débarrasser des frères connus, il suffisait de les tuer eux. Et puis c'était tout aussi simple, ou en tout cas Didyme. Et s'ils étaient prêts à tuer quelqu'un, autant aller tuer Didyme et puis c'était terminé. Un complot, pas forcément, personne ne peut le savoir. Il a très bien pu se passer quelque chose avec la jeune japonaise qui a été découverte ou qui a été tuée ailleurs ou qui a été découverte morte et que d'une façon ou d'une autre, il fallait se débarrasser le corps et mettre le corps ici et faire une mise en scène. C'était aussi éventuellement l'occasion de pouvoir se débarrasser du clan connu qui était particulièrement kikinant. Pour la défense, certaines pistes n'ont pas été sérieusement fouillées. Face à un dossier qu'il juge si incomplet, l'avocat mène sa propre enquête. En venant sur l'île des Pins, et nous sommes venus de nombreuses fois, nous allons simplement rencontrer des gens qui viennent nous dire « Ben voilà, par exemple, on a vu Antoine tel jour à telle heure, on s'en souvient parce qu'on allait reconduire notre fille à l'aéroport, donc on est sûr de la date, mais pourquoi vous en avez jamais parlé ?» Bon, on ne nous a jamais posé la question. La défense recueille une dizaine de témoignages. Antoine n'a pas pu croiser Mika Kusama. Au moment de sa disparition, il était tout bonnement à l'autre bout de l'île. On leur disait, ben voilà ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous seriez d'accord pour venir le dire devant la cour d'assises? Parce que vous nous le dites à nous, on n'est jamais avec les avocats, mais par contre, il faut le dire devant les juges, si ce que vous dites correspond à la vérité. À quelques semaines du procès, les avocats réservent ces témoignages pour les jurés de la cour d'assises de Nouméa. Le complément d'information du président Mézières se termine. Il aura duré près de 2 ans. Il y a moins de courant d'air que quand les avocats l'ont récupéré et que moi je l'ai récupéré, mais toutes les portes n'ont pas été fermées, donc c'est du pain béni pour les avocats. Et pour la justice, est-ce qu'on peut juger quelqu'un, le déclarer coupable d'un crime horrible, l'envoyer pendant X années en prison sur un dossier bancal, voilà, c'est toute la question aussi. Cinq ans après le meurtre de Mika Kusama, le procès des frères connus s'ouvre devant la cour d'assises de Nouméa. Antoine et Didyme comparaissent libres. Procès événement en Nouvelle-Calédonie, une centaine de témoins, 8 experts, au moins 15 jours d'audience. Entourés de leurs avocats, les parents de Mika Kusama sont arrivés du Japon pour assister au procès. Antoine et Didyme, quant à eux, peuvent compter sur de nombreux soutiens. Et comme toujours, les accusés sont scrutés. Il y a eu un effort de présentation indéniable. Ils sont propres sur eux.
bien sûr. À l'époque, c'était quand même deux voyous, bonne tête un peu inquiétante. Mais là, ils ont fait vraiment un effort, ils sont bien présentables. La défense arrive, très sereine. Confiant, ça nous semble tellement énorme que nécessairement cela ne peut aboutir qu'une constatation par les jurés que les frères connus sont innocents de ce qu'on leur reproche. Sans confiance, mais on découvre qu'il y a deux mondes qui se confondent, quoi. Il y a le monde kanak et la pensée occidentale, quoi. Très vite, la parole est confisquée. Alors, il faut savoir que dans la culture kanak, la parole, c'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués à parler en public et donc il faut laisser du temps pour que les choses puissent être dites. Or là, on va être confronté à un président qui va mener le dossier à la hussarde, qui ne va pas laisser aux gens la possibilité de s'exprimer, qui vont être immédiatement interrompus, donc ils ne vont plus parler. C'est toujours orienté les questions, ils savent déjà, ils nous orientent à dire ça, c'est eux qui nous conduisent à nous dire ce qu'ils veulent écouter. Hein. C'est pas dans leur habitude d'écouter des histoires de culture, des histoires de... Voilà quoi. La défense assène ses arguments à la cour et aux jurés. Le dossier d'instruction n'est que rumeur et incohérence. Il a été mené uniquement à charge. C'est un désastre. C'est-à-dire, ça n'est pas une réelle enquête. Il fallait impérativement, pour des raisons touristiques ou économiques, immédiatement identifier des coupables pour venir dire qu'il n'y avait plus aucun danger sur l'île des Pins. Et puisqu'on avait arrêté deux hommes, il n'était pas besoin de chercher quoi que ce soit. C'était les coupables idéaux. Ils avaient une mauvaise réputation. On avait trouvé le cadavre sur leur rocher. La messe était dite. L'avocat général et le défenseur de la famille Kusama le répètent. Il existe un faisceau d'éléments contre les deux frères. Et ils ont le profil. Face aux jurés, trois experts confirment le diagnostic du premier psychiatre. Ambroise et Antoine sont des psychopathes. Un psychologue qui a rencontré Antoine en prison en a été le témoin. Antoine va prendre la feuille de papier avec les questions que lui posait l'expert, la chiffonner, la jeter sur l'expert, se lever, à tel point que l'expert sera obligé de faire intervenir les gardiens pour maîtriser Antoine Connu, qui ensuite va s'excuser, demander à repasser le test. La défense interroge à son tour l'expert psychologue. Et à un moment, nous le mettons un petit peu en cause et il se met à cogner sur la barre en disant « Mais vous comprenez rien !»« Mais vraiment, vous comprenez rien !» Il commence à piquer une colère, à taper sur la barre et en disant « Mais attendez, monsieur, vous dites que Antoine, c'est quelqu'un qui est psychopathe parce qu'il ne sait pas maîtriser ses émotions. Qu'êtes-vous en train de nous faire là ?» Et à ce moment-là, éclat de rire de la salle et il est sorti sous les rires de la salle. Ils ont mis en place, la défense à trois, là, mis en place une espèce de technique qu'on pourrait appeler le nid de guêpe. On se jette sur une personne à trois et on l'accable. Et là, c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises avec les gendarmes, avec le psychologue, avec le psychiatre, etc. Ils les assaillaient de questions, non pas chacun à leur tour, mais en même temps, en tournant autour du témoin, qui était complètement déstabilisé à force, quoi. Ah, on était au-delà du théâtre parce que, je vous dis, à plusieurs reprises, le président a dû rétablir l'ordre, à plusieurs reprises, le ton est monté. Oui, ça a été pénible, ça a été très pénible. Et moi, j'ai dû intervenir aussi plusieurs fois auprès du président de la cour d'assises pour qu'on arrête de harceler les témoins, qu'on arrête de les traiter comme ça et qu'on les... Voilà, c'était même, si vous voulez, il y a une espèce de distance de... une distance de sécurité, si j'ose dire, à respecter vis-à-vis des témoins. On ne vient pas se coller à eux pour leur hurler à l'oreille « Vous témoignez devant une cour d'assises !» Ce qui était le cas à chaque fois. Nous étions les seuls garants de l'accusation. Pas de preuves, c'était sur le fondement de nos investigations que les gens étaient devant la cour d'assises. Donc nous étions les hommes à abattre.
J'ai jamais connu une ambiance comme ça. Là, ce qui se passait pendant la journée avait des répercussions le reste du temps. Quand le procès était terminé, moi j'avais droit à des réflexions de la part de la défense qui étaient épouvantables. Enfin, change de métier, etc. etc. Enfin, c'était terrible. D'un point de vue violence d'audience sur les enjeux, sur les rapports entre les professionnels, c'est le dossier le plus violent que j'ai connu, avec une volonté de faire en sorte que, eh bien, finalement, s'il y a eu 5 ou 6 ans de procédure, ça ne doit pas être pour rien. Il faut au moins qu'il en sorte une condamnation. Après 2 semaines de procès, la tension est à son comble. C'est ce moment que choisit la défense pour tenter un coup. Les avocats font témoigner la dizaine de personnes qu'ils avaient rencontrées sur l'île des Pins. Des témoins qui viennent donner à Antoine l'alibi qui lui manquait. Quand Mika a disparu, il était à l'autre bout de l'île. L'avocat, c'est pas un détective. L'enquête, elle est faite par le magistrat, elle est faite par les policiers, par les enquêteurs. C'est pas à l'avocat d'aller sur le terrain faire ce travail. La liste de ces témoins, c'était donc le beau-frère, la sœur, les employés du frère. Et toutes ces personnes, pour justifier le fait de ne pas avoir parlé avant, et innocenter Antoine Connu, viennent nous dire « j'ai été impressionné, j'avais peur d'aller parler aux gendarmes ». Pendant 5 ans, ils se sont abstenus de trouver un alibi à leur frère qui croupissait au camp Est pendant ce temps-là. Mais qui peut croire une chose pareille? Qui peut croire qu'une sœur va pas aller voir les enquêteurs dont la porte était ouverte et qui résidait à l'île des Pins pour leur dire « mais Antoine, il peut pas avoir fait ça parce qu'il était chez moi cet après-midi-là ». Qui peut croire ce genre de choses? Bah, c'est pourtant ce qu'ils ont essayé de nous faire croire. Et je dirais que ça a peut-être encore alourdi leur dossier parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'on était en face d'une vraie manipulation. On avait eu la presse, la Ligue des droits de l'homme, et là on avait le défilé des faux témoins. Le procès se crispe, les accusés semblent avoir pris toute la place. La violence des débats fait oublier Mika, la victime. Après 3 semaines d'audience agitée, l'avocat général requiert l'acquittement pour Didyme. Selon lui, si Didyme est coupable, ce n'est pas de meurtre, mais de destruction de preuves. En revanche, pour Antoine, l'avocat général requiert 20 ans de prison. Les jurés sont renvoyés à leur intime conviction. L'attente est longue, plus de 7 heures. En Nouvelle-Calédonie, 15 ans de prison pour l'un, l'acquittement pour l'autre. Après 2 semaines et demie de débat, le verdict est tombé ce matin dans le procès des frères Connu. Seul Antoine a été reconnu coupable du meurtre de la touriste japonaise sur l'île des Pins en 2002. 15 ans pour Antoine, le petit frère. En final, je l'ai dit en fixant bien le procureur. Qui représente le ministère public, M. Gilles Brindy. Je l'ai fixé dans les yeux, je lui ai dit, mais même si l'injustice, elle existe, la justice, elle existe. Je voulais dire, même si vous trichez, mais un jour, la justice va réapparaître. J'étais bien conscient qu'il fallait qu'il y ait une tête qui tombe, quoi. Donc, je ne m'attendais pas au miracle dès le... enfin, au jugement. Je vois tous les jeunes de la famille, les garçons, ils sont tous devant la salle d'audience comme ça, là. Et ils pleurent quand ils entendent la sentence. Et enfin, je sens que la colère, elle commence à bouillir, et puis je me retourne vers eux, et puis je dis, on va sortir, mais on reste calme, il faut rester digne. On reste digne, c'est pas fini le combat. Le parquet fait appel de l'acquittement d'Ambroise, qui reste libre. Quant à Antoine, qui fait appel de son côté, ses avocats parviennent à le faire libérer 5 mois plus tard à la faveur d'une erreur de procédure. Les deux frères doivent donc être rejugés. Nouveau rebondissement judiciaire dans l'affaire de la touriste japonaise assassinée en mai 2002 sur l'île des Pins. Le meurtrier présumé Antoine Connu est sorti de prison en attendant son procès en appel. Libre,
Antoine et Didyme parcourent le pays pour expliquer qu'ils sont innocents. Le comité de soutien crée un site internet, un compte Facebook. Un élan de soutien aux deux frères se forme, des intellectuels, des artistes rejoignent le mouvement. C'est un plan média qui a été mis en place. C'est pas de la médiatisation, c'est un plan média systématique. Qu'on a les médias qui sont abreuvés par la Défense, abreuvés par la Ligue des droits de l'homme, de protestations d'innocence d'Antoine et de Didyme connus, qui deviennent un peu des victimes du système judiciaire colonial. Et on est vraiment dans des schémas complètement manichéens, où on essaye de faire vraiment passer les frères connus comme des victimes. Ce qui est quand même assez paradoxal. Le procès en appel des deux frères connus s'ouvre à Nouméa le 14 avril 2009, 7 ans après la mort de Mika. Comme lors du premier procès, Didyme et Antoine comparaissent libres. Mais l'audience débute sur un tout autre ton. On sent que Antoine Connu est plus incisif dans ses réponses et il répète à peu près à longueur d'audience qu'il est innocent. Toute l'accusation, elle était basée sur des prétentions. Et n'importe quel argument pouvait servir pour renforcer le caractère de la culpabilité. Mais ça ne sont que des prétentions. Et la prétention n'a jamais façonné ni la justice, ni rien du tout qui concerne la vérité. Antoine attaque la rumeur qui circule sur son frère et lui. Didyme, leader illuminé de la bande du Rocher, faux. Il avait simplement créé un village d'artistes avec des jeunes de l'île. L'idée du village d'artistes, c'était dans l'intention de promouvoir et surtout de protéger, la culture kanak. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse que la culture kanak et la culture de notre civilisation d'origine. Mais ce projet était mal vu du grand chef de l'île, il l'a interdit. Et il a contesté l'autorité de Didyme sur le Rocher, ce qui a créé des tensions entre les deux hommes, et c'est de là que Didyme tiendrait sa mauvaise réputation. À l'enquêteur de personnalité, il a affirmé qu'au moment des faits, il n'était pas le gourou débauché que la rumeur avait assuré. Selon ses expressions, après une vie, disons, dégradante, c'est-à-dire abus d'alcool, abus d'argent, abus de femmes. Et il a déclaré, c'est fini, l'argent, l'alcool et les femmes, c'est terminé, ça me mène à rien, c'est un mauvais exemple pour mes enfants, j'abandonne tout ça, je fais un ermitage, une espèce de retraite. Il avait donc, au moment des faits, selon lui, s'était racheté une conduite. Antoine explique qu'il a suivi le même chemin que son aîné. Alors, céder à une pulsion sexuelle, comme l'affirme l'accusation, c'est impossible. Ses ex-petites amies défilent à la barre, dont Estelle, qui l'a connue à cette période. C'était absolument inconcevable pour moi. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que ce soit l'assassin de cette jeune femme. C'était pas envisageable du tout. Ça collait pas. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude depuis très jeune de rencontrer des tas de femmes de l'extérieur. Il est vrai que c'était un charmeur. Il n'avait absolument pas besoin de violer qui que ce soit. Il obtenait facilement ce qu'il voulait des femmes. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de charme. Maître Moyard, une des ex-petites amies d'Antoine, dit qu'il avait beaucoup de charme et qu'il n'avait absolument pas besoin de violence ou de quoi que ce soit pour persuader les filles d'une aventure. Et si, ce jour-là, ça n'avait pas marché avec Mika ? C'est une possibilité, mais le viol n'a jamais été établi. Jamais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé et même... Mais il y avait quand même cette histoire de viol dans son passé. Ce fait de viol, qui est d'ailleurs l'unique de son casier judiciaire, puisqu'on avait supposé qu'il y avait des faits de violence, etc., il n'y a rien à part cette histoire de viol. Ce viol aurait été commis alors qu'Antoine avait 16 ans et la jeune fille 14 ans. Antoine a toujours expliqué ce que dira sa pseudo-victime qui va venir le dire à la barre, qui va expliquer deux choses. D'abord qu'Antoine est un excellent père
qui s'occupe bien du fils qu'ils ont eu ensemble. Et ensuite... Le surtout, fruit de ce viol. Absolument, ce viol avec mille guillemets. Et ensuite, et surtout, qu'à l'époque, cette jeune fille est tombée enceinte. À l'époque, ils étaient mineurs tous les deux. Et à l'époque, la tradition peut-être faisait que soit ils s'épousaient, soit la famille déposait plainte à son encontre. Et que c'est la seule chose qui a motivé en réalité les poursuites de l'époque, ce qui explique sûrement que la peine ait été très modérée pour l'époque et pour ce genre de fait, puisque de mémoire, c'était 1 ou 2 ans d'emprisonnement, je crois. Alors, quels éléments vous faites ressortir pendant ce deuxième procès ? On n'a pas voulu faire le procès des gendarmes, on a voulu faire le procès de ce qui avait été fait, ou de ce qui avait pu être fait, ou qui n'avait pas été fait. On découvre à l'audience qu'un t-shirt qui avait beaucoup fait parler de lui, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais avait été ajouté postérieurement à la fouille dans un sac d'eau scellée, resté ouvert. Je me souviens d'avoir dit aux gendarmes, mais si j'avais voulu ajouter un Colt 45 dans ce... J'aurais pu le faire en toute impunité, et l'a confirmé. Et puis, il y a cette question qui a été posée au médecin légiste. Et est-il possible que le sang ait ruisselé sous le dos? Est-il possible que la chaleur ait fait ses vapeurs? On a eu ces questions-là. Et évidemment, l'expert décartait ça en disant « Mais c'est une mare de sang qu'on aurait dû retrouver. » Ce sont ces mots. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été tuée sur le rocher. Non, mais pas à cet endroit-là. Ça veut donc dire qu'on l'a transportée. Ça veut donc dire que plus rien n'est établi. Épilogue du procès connu avec les plaidoiries des avocats. Chaque camp vient défendre sa conception du doute. Même si on avait effectivement le doute qui doit profiter à l'accusé, pas de preuves directes, etc., etc., j'ai démontré que c'était Antoine qui avait tué Mika Kusama. Et condamner un innocent, c'est épouvantable. Libérer un assassin, innocenter un assassin, lui permettre de s'en sortir en ayant commis un acte aussi épouvantable, c'est quand même pas très loin derrière en termes d'horreur. Donc, pour éviter ça, les jurés avaient un moyen très simple. Ça s'appelle l'intime conviction. Nous, en tant qu'avocats, on n'était pas en train de plaider un doute dans un dossier. On en arrivait à une gageure absolue, c'est-à-dire que nous, on démontrait l'impossibilité que ce soit eux. C'est-à-dire, on plaidait pour simplement, mais regardez, l'innocence est évidente. Sortez ces hommes de là. « 20 ans de réclusion criminelle requis contre Antoine Connu, l'acquittement pour Ambroise. L'avocat général a requis les mêmes peines qu'en première instance en décembre 2007. » La cour se retire. 1h30. Il est 16h. Non pour Ambroise, non pour Antoine. Les 12 jurés et les 3 magistrats se sont prononcés. Les frères Connu sont acquittés du meurtre de Mika Kusama. On pleure. C'est 8 ans d'enfer pour eux qui s'arrêtent. Et c'est simplement à ce moment-là que la justice représente quelque chose. Ils ont tous les deux été acquittés. Là, c'est un cri de guerre, je lance. Puis, parce que je suis fier, parce que c'est le combat de David contre Goliath. On a terrassé Goliath ce jour-là. Et là, j'étais fier parce que mes frères étaient libres. On pouvait rentrer au pays. Ça veut dire aussi que dans un dossier comme celui-là, il y a une jeune femme, Mika Kusama, qui est morte sur ce rocher paradisiaque de l'île des Pins, et dont le ou les assassins n'ont pas été arrêtés. Le clan Connu est à nouveau au complet sur l'île des Pins. Le juge d'instruction, lui, a été muté en métropole. Et les parents de Mika Kusama ne savent toujours pas qui a tué leur fille.